pense qu'à un moment donné, j'étais enceinte, donc il me fallait un peu de recul. Et puis réfléchir mieux, est-ce que c'est ça que je veux, si je veux toujours faire la télé ou ces genres de choses-là. Donc ça m'a pris un peu de temps, j'étais à Paris, m'a accouchée et puis voilà, je suis revenue et pour l'égalité, j'avais juste pris une pause. Donc Adam ben instant, j'ai un peu de recul en fait. Plutôt donc Adam ben instant, il faut un peu de recul en fait pour mieux sauter. J'ai toujours su ce que je veux dans ma vie, mais bon, c'est juste que pas ça, des amis, voilà, il faut un peu de recul. Adja, elle est déjà maman de deux petits garçons, 11 ans et 1 an aujourd'hui, et puis Adja, elle est animatrice, donc j'en ai deux émissions ici à la télé. Et puis en même temps, j'ai préparé mon boutique de lingerie que je suis en train d'ouvrir. Ouais, parce que Sénégal, Amoufi en fait, lingerie et puis l'eau ramène, ça va, tu côté un peu sensuel. Donc, il barre vraiment. Donc, j'ai voulu investir quoi sens pour. Je sais pas si je fais rêver ou pas, mais bon. Adia, j'ai de commencé le 8e milieu mannequin. Je suis rentrée très tôt d'ailleurs. À l'âge de 16 ans et demi, j'avais même pas 17 ans. Donc, automatiquement, on est que Miss. Après, on est que Miss Tioff. Je me rappelle les temps avec les Erika, Aïdanong et tout ça. Djolko, après, on m'a mis dans le milieu. Et comme ce que j'ai toujours dit, avant les gens me jugeaient pendant que je faisais des conneries, je peux l'appeler comme ça si je peux me permettre, ils me jugeaient comme une personne qui avait 30 ans ou 40 ans, alors que j'en avais 16 ou 17. Donc le nom, une fois que ça, si on te dit, ok d'accord, elle va bientôt avoir 31 ans, tu vas te dire, waouh, elle a déjà 31 ans, tu vas me donner plus que même que mon âge. Après, je pense que nous, les journalistes, ils ont créé Ben Adia Bohamed et ça marche. Bohamed, le contraire de Kinahamé, on me la donne avec mes valeurs, ma mère, les Majangles, plein de trucs. Non, attends, non, je vais pas dire quand même en fait que j'ai pas fait des erreurs, que j'ai pas fait des choses non plus. Hein. Je vais pas dire que je suis plume blanche. Non, j'en ai fait, voilà, j'en ai appris. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement comme Adefko, et que ça m'a permis aujourd'hui d'être la femme Ben Ramene Momlanek. Ouais, c'est une Adia en fait qui a vécu des moments lunaires, qui a vécu aussi des moments très très difficiles dans ma vie. Hein. Donc heureusement que j'avais ma famille et une support humain. Donc je ne vais pas dire que. Il y a 2 ans, c'était pas facile du tout. Alors là, du tout. Donc, je vais même pas rentrer dans ça parce que peut-être que Ramaman Mom, donc, je préfère ne pas trop dougouchi détail Bob, non. Mais bon, l'olive forge ma taille à être la femme bien la s'il y a ici amnañu xamé da bëgg nañu jall ci lénen ñu jall ci lénen ñu féké dafa am ñu bëgg dund toujours ci passé bi ils ont qu'à le faire ça lolu daf leen engager tu vois ku nekk ak sa gis gis ku nekk tu as le droit en fait de penser et de faire ce que tu veux mais man ce qui a de l'importance aujourd'hui j'ai été allez, j'ai fait des erreurs, j'ai fait aussi des choses bien dans ma vie. De Mokowane, comme Mac Jiggle, tout le temps, de sa maison des aveugles, là, dans le Kenhamoko. Mais je veux dire, de moi, tout le temps, du Kowane, donc le mal, ça m'appartient. Non, j'ai été avec le père de mon fils, en fait, on s'est séparés. Je suis célibataire, je vais pas dire ça non plus. Je suis en train de me chercher avec mon copain aussi. Et puis, ce fait qu'il y a autour de notre taille, on va se marier. Il y a le dîner. Mariage, moi, mais non, je me suis mariée 2 fois. Donc, demain, une troisième fois, pourquoi pas? Je
j'ai deux émissions, Ben et My Life, là. Et My Life, c'est télé-réalité. Et télé-réalité, en fait, nous avons fait def. Je pense que à Moussard, Sénégal, nous avons fait osé def, donc nous avons fait def, ça s'appelle My Life. Et puis tous les mardis et tous les vendredis sur la scène TV, nous avons suivi l'honneur. Là. Et puis, Ben émission pour Magbi, c'est tous les samedis. Ça parle de ma vie. Ça parle de ma vie, de tout ce que je fais, les drames, parce qu'une vie ne peut pas être rose tous les jours. Donc, il y a des moments où il y a un moment où il y a un nerf, son copain est mon ami de Flounek, donc ça parle de ma vie. Mon week-end, donc IndieWatt avec plus de 6 chroniqueurs. Il y a animation, il y a mode, il y a people, il y a culture, il y a sport, il y a quoi encore, il y a revue de presse, il y a l'invité, il y a plein de choses dedans. Hein. Sur la scène TV, tu cagues la maison.